désolée. Bébé, je te présente, je te rappelle, je t'ai toujours parlé d'elle en fait. Oui, ah, donc c'est elle. Oui, ouais, c'est moi. C'est elle. Je te présente Ro, mon fiancé. Ah, mm-hmm. Vous êtes fiancé. Ok, félicitations. Yeah, avec la bague. Oh, ma copine. Merci. Ah, donc, mais j'aimerais bien que tu sois présente lors de notre mariage. Il n'y a pas de souci, je peux t'aider même à organiser le mariage. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Donc, lui, c'est... Roma. Ouais. Okay. Tu coupes seulement. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde. Donc, je vais t'écrire. Tant je t'écris mieux. Comme ça, on fera le programme de se voir pour tout ça. D'accord? Ne manque rien. Ok, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Au revoir. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Monsieur le fiancé. Bye. Bye. La mienne. Donc jusqu'à ce que tu vas te marier, quoi. Ah, elle est sim, elle est sim. De toute façon, mes odia bakalenge. Je peux pas accepter ça. Ah! Avec la bague de fiançailles. Oh, nanana, je vais me marier. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Je peux pas accepter ça. C'est ce qu'on va voir. Non, allez. Pardon pour le retard, désolé. Désolé, pardon. Bon, on y va. Oui. Redondi. C'est bon. Je suis fatiguée, je dois me reposer, bon, pardon. Plus que je n'arrive plus, faisant deux à deux sur les haltères. Bon. Ah, je n'arrive pas. Là, avance, c'est ça, continue. Ok. Voilà. Je peux pas. Doucement. Oh là là, en tout cas. Bon, mieux de faire, mieux de faire la pause. D'accord, d'accord. Tu as les abdos, hein. Non, ouais, je vais d'abord m'asseoir. Tu peux me tenir compagnie, s'il te plaît. Donc là, vous allez vous marier. Ouais. Sûr. Ouais, c'est clair. Ah, sérieux, à ce point. Mais est-ce que tu sais que moi, je voulais te dire quelque chose? Comme quoi? Vraiment, je sais pas comment est-ce que tu vas prendre ça. Mais depuis la dernière fois que je t'ai vu, je te jure que je n'arrête pas de penser à toi. Ah bon? On peut entretenir une relation et puis tu vas voir. Tu vas voir après si tu peux toujours l'épouser ou pas. Avec tout le respect que je te dois et l'amour que j'ai pour ta copine, je peux pas faire ça. Regarde, non, s'il te plaît. Me toucher comme ça. Arrête d'abord de me toucher. Mieux qu'on s'arrête là. Roma, s'il te plaît, pense-y. Pardon. Elle ne saura rien. Ouais. Encore. Rajoute. C'est chaud. Tu dois faire brûler tes poumons. Ouais. Oui. Je vais rentrer. D'accord, bon, moi je reste encore là pour assister les autres. Tout à l'heure. Ok, on se voit. Prends pas trop, s'il te plaît. D'accord. Au revoir. Allez, Fazal. Ah. Mais les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais la copine à ma fiancée. Elle me fait des avances que non, elle veut de moi, que non, ce genre de choses. À un moment, je ne comprends même pas. J'essaie de la faire comprendre que je suis le mec de sa copine. Mais elle dit que non, c'est pas son problème, tout ça. Mais vous me conseillez quoi, en fait? Kim, vous voyez comment vous êtes les filles? Ah ouais, c'est pas toutes les filles, hein. C'est pas toutes les filles. Si elle a eu à le faire, c'est pas que tout le monde. C'est juste qu'elle est peut-être jalouse que sa copine a eu un mari. Comment être jalouse de la copine d'enfance? Mais c'est juste que c'est toi qui dois avoir l'intelligence, tu dois l'éviter. Hein. En fait, mon frère, l'essentiel serait que tu puisses dire ça à ta femme. Hein. En fait, c'est le moment. C'est ça. Parce que si ça déborde, oui, ça va mal. Ça va péter, hein. Ça va péter. Mais parce que vous, les femmes, vous êtes rusées. Je peux dire oui, après. Non, peu, mais si ta femme a confiance en toi, en fait, elle va te croire. C'est mieux de dire qu'il a dit. Faut le dire à ta femme, c'est mieux. C'est mieux, parce en fait. Parce que si tu ne le dis pas, si elle découvre ça à sa manière, ça peut créer autre Bien chose. Sûr. Et après, ça peut même mettre votre couple en péril. Bon, sincèrement, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Le mieux, c'est de le dire. Donc, je vais l'inviter dans un restaurant comme ça. On va essayer de parler, je vais expliquer tout et tout pour ne pas avoir de problème. C'est mieux, frère. Ah, c'est faire, en fait. Ah, merci, vous vraiment. Vous pouvez retarder le temps. Ok. Merci, hein. Ah, oui. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ben, je me souviens. Et vous l'avez? Attends. Et le mariage, c'est comme ça.
C'est pas comme ça. Merci. Et caprice, hein. Sinon, ça va? Ça va, tu n'as pas trop traîné, j'espère. Ouais. Ah, serveur. Bonjour. Bonjour. Que puis-je vous servir comme ça? Les demoiselles. Qu'est-ce que vous prenez? Un point de sucrerie, ça va? Oui. Les sucreries. Ça va? Oui, ça va. Ouais, donc, trois sucreries. Oui. Okay. Hey. Donc, avec la robe, quoi. C'est chaud. Roma, cool. Le futur marié. Merci, Nathan. Merci beaucoup. Faut pas traîner, hein. Faut aussi tomber enceinte. Ah, merci. C'est question. Les premières semaines, là, dès que je vais arriver, n'est-ce pas, chérie? Ouais, déjà. La façon dont je vois Roma, là. Il est pressé à l'idée d'être papa. Wouh! Putain, oh, désolée, mince. Serveur. Tu t'es taché. Non. Bon. Je reviens. Je vais emporter de prendre de nouveau. Oh là là, excuse-moi, d'accord. Tout à l'heure, d'accord? Ok. Oh là là. Roma, ça va? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, t'inquiète pas. En fait, je voulais juste te dire, est-ce que tu as pensé à ce que je t'ai dit la fois dernière? Mais je t'ai éclairé avec toi la fois dernière. Non, s'il te plaît, Roma. La dernière fois, je t'ai dit que je veux vraiment de toi. Je veux d'une relation, s'il te plaît. Au fait, ce que tu me demandes, c'est impossible. S'il te plaît, elle va bientôt revenir. Pardon. Elle n'est pas obligée de savoir. S'il te plaît. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Regarde. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle peut venir d'un instant à nous. Ah, je m'en fous. Elle va aussi faire quoi? Je suis pas une femme. Oh putain. Je suis pas une femme. Genre quoi? Tu peux pas m'aimer? Dans quoi je me suis humiliée, moi? Bon, d'accord. Je vais juste te faire un câlin, s'il te plaît. Non. Je vais juste te faire un câlin. Non, mieux. Après, je pars. Je te jure. Non. Juste un câlin. J'ai dit que c'est. Vous n'êtes pas encore mariés. S'il te plaît, tout peut changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe comment? Tu n'as pas vu? Bébé, je vais tout expliquer. Tu vas expliquer quoi? Elle a déjà tout. Arrête d'abord, bébé, je vais t'expliquer le fait. Il y a rien à expliquer, c'est ce que tu as vu. C'est pas ce que tu crois. Donc je crois que quoi? Tu vas te marier. Oui, c'est moi. Je te dis que c'est pas ce que tu crois. Oui, c'est ça. Donne-moi une chose. Écoute, non, ne vous en faites pas, tiens. Tu peux l'épouser. Vas-y, oui, je vais l'épouser la co. Ah, merci. Ici, à pata. Mais toi, tu vas où? Ah, laisse-moi s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Mais regarde, on en profite quand elle est partie. Bébé, je suis sincèrement désolé. C'est pas ce que tu crois. Ta copine, depuis la fois dernière, me faisait déjà des avances. Si je t'ai invité, c'est pour tout te dire. Je suis sincèrement désolé, bébé. Laisse-moi ta pardonne, maman, Nangaï. Deux semaines, on va se marier. Bébé Nangaï, s'il te plaît, reprends ta place, maman. Ta copine, c'est pas une bonne amie. Reprends ta place, s'il te plaît, bébé Nangaï.